Moi, je me rappelle très bien parce que j'étais une course de karting, un championnat de France, à l'époque à Pontarlier. Et on avait tous, c'était une catégorie junior, donc on avait tous 16 ans. Et forcément, l'idole de, je pense, 90% de ces jeunes, c'était Ayrton Senna. Et ça a été un choc pour nous. Je me rappelle, dans ce paddock, personne n'y croyait. Maintenant, ça fait partie de la vie, c'est les risques du métier aussi, on le sait. C'est ça l'endurance, c'est ça la Formule 1. Il y a des risques, forcément, on n'est pas là pour se faire mal. Donc on a tous été très peinés. Je me souviens bien, j'ai un père qui était fan d'automobile, donc j'ai commencé à regarder les Grands Prix avec lui, et je me souviens être derrière la télé et être en larmes en fait après la nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'était une référence pour moi, je le regardais tous les week-ends, je le supportais, et puis à un moment donné, on a limite le sentiment que c'est, il fait un peu partie de la famille, parce que voilà, on est derrière quelqu'un, on supporte quelqu'un à 200%, et puis on s'imagine que ce genre de personnage, bah, il peut rien lui arriver. Et se dire qu'on le reverra plus en course, c'est pour un gamin, parce que j'étais un gamin, c'est un moment dur, mais ça fait partie de la compétition automobile.